pas savoir ce qui vous met de bonne humeur comme ça. Ah, votre stream de 19h TBG. Vous avez bien raison. Moi aussi, ça me met la patate. Et puis aujourd'hui, la patate, il va falloir qu'on en ait. Parce que on va se faire un petit shmup des familles. Pas n'importe lequel. Puisque on va se retrouver en 1988, une année où il y a eu beaucoup de sorties, notamment en distributeur de boulettes. À ce niveau-là, il y a un titre qui a marqué un petit peu plus que les autres, voire certains beaucoup plus que les autres, il s'appelle Troxton. Troxton, c'est un petit, entre guillemets, shooter vertical, mais qui apparemment, bien que je ne le connaisse pas pour ne pas avoir eu la chance d'avoir une borne près de chez moi, va vite révéler son potentiel, il me semble, vu les visuels en bas, et pardonnez-moi l'expression, mais comme ça, on voit du foin. Et donc vous êtes comme moi, vous n'en pouvez plus. On va dire au revoir à la jolie musique de Cooks. Vous pouvez aller voir sa page sur YouTube, c'est super sympa. Il y a plein de morceaux chiptune super rigolos. Je vous recommande d'y jeter une petite oreille. Allez, bye Cooks, ça s'écrit K-O-O-X. Oui, il y avait un piège, sinon ça aurait été beaucoup trop simple. Nous on va dans Truxton, et c'est maintenant qu'on y va, messieurs dames. Attachez vos ceintures. Alors, voilà l'animal. Oui, explosion, violence et... Greux. Alors là, on sait qu'on est dans du 16-32 bits. Je vous laisse compter les bits. Hein. Vous avez l'habitude maintenant. Oui, c'est un private joke. Hein. Fallait regarder les streams précédents, les amis. Et oui, faut pas boire les émissions en dilettante. Il y a une continuité dans tout ce fil. Je vais vous remonter un petit poil le son, histoire que ce soit plus agréable chez vous. Et puis on va se faire un petit run dedans. Regardez-moi ce tir. Alors je pense que je l'ai pas au début du jeu. Mais si j'arrive à m'équiper un vaisseau comme ça, il y a une bonne partie du boulot qui va être simplifiée quand même, je me dis. En tout cas, ça semble construit, fourni, bon, relativement joli. Reste à voir si c'est jouable de surcroît. Et on se tiendrait là, un des hits de l'année 1988, hein, tout simplement. Peut-être un poil méconnu, va savoir. Allez, on y va. Je vais remonter un poil le son, tant qu'à faire. Alors, il me semble que j'ai peut-être des bombes. On le saura bien assez tôt. Premier niveau piece of cake, c'est un peu normal. Hein. Faut attirer le chalon, comme on dit. Attirons le chalon, qu'il vienne nous déverser son argent. Oh, le petit laser, j'avais pas vu venir, ami. Enfin, ami, c'est peut-être une erreur de t'appeler comme ça. Est-ce que tu fais partie des shoots où on redémarre à perpète les oies? Parce que ça, c'était quand même une grosse manie pour rajouter à la durée du titre. C'était les checkpoints super éloignés. On ne reste plus en face, c'est fini. Je ne reste plus jamais en face. Je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas, on ne s'aime pas. C'est la phrase, tu la connais, elle est classique en TBG. Un de moins. Non, je n'utiliserai pas mes fucking bombes. Tu sais combien ça m'a coûté. Tu es fou, toi. Tu es fou de ta tête. Hein. Ah, mais t'as des copains qui arrivent. Ah, il me fait le petit tir d'enfoiré avant de se barrer hors de l'écran. Non, mais t'y crois? De toute façon, qu'on va s'entendre avec ce jeu. Il a le niveau de perversion apte à m'exciter. Ça va bomber. Non, mais sans déconner, je vais vous bomber la gueule, les gars. C'est tout que ça à faire. Hein. Toi, je me rappelle de toi, le sac que tu m'as fait. J'ai vraiment pas aimé. Oui, bah, I know you, man. I know you, man. Alors, vais-je devoir utiliser une de ces damnées bombes? Bah, je voudrais bien m'y réserver, parce que si déjà, passer le niveau,
ça s'avère être assez complexe. Et que dire du boss, dont j'ignore tout, et dont il va falloir apprendre des patterns en temps réel. Alors pour l'instant, ça se passe bien, parce que le jeu est souple, donc j'ai pas trop de soucis. Ça vient un petit peu comme au tir au pigeon, c'est pas trop affolant, et ça m'arrange beaucoup du coup. Qu'est-ce que c'est que ce bonus bizarre? Ouh, c'est bon signe ça. Je garde, c'est offert avec bon cœur, ce serait dommage de cracher. Alors, je lui donnerais bien un lien de parenté avec un titre qui m'a beaucoup marqué sur Amiga, c'était Ibris. Avec ce système de faire évoluer les armes et puis d'avoir trois couleurs de monstres assez particuliers. Je vais faire un tour, moi. Oui, ça c'était mérité, les gars. Vous allez chercher un poil. Plotch. Plotch, game over. Non, non, je ne me laisserai pas game overiser. Un peu, mon dieu. Ah, où c'est que tu me remets, du coup? Oh non! Un vaisseau directement à la poubelle, alors que t'as pas avancé de 3 mm dans ton tableau. C'était un peu vache, ça. Ouais, honnêtement, ça c'était très bien comme tir. Alors, c'est pas celui de la démo, hein, où on en voit quand même beaucoup. Genre, ça fait la moitié de la largeur d'écran, c'est vachement grave. Ton truc vert, tu vas te le garder. J'en veux pas. Non, vraiment, même en insistant. Moi, j'ai mon truc bleu, il me va très bien, regarde. Et en plus, il lock. Ah, que ouais, que il me va, ton truc bleu, là. Il est pas supra puissant, mais si je fais pas trop le con, regarde. Il y a moyen que ça se passe. J'ai pas dit bien, hein. J'ai juste dit ça se passe. J'ai un peu serré les fesses quand même, je dois avouer. Je t'ai vu, toi. Je t'ai vu, toi aussi. Toi aussi, je t'ai vu. Et toi encore, je te vois, là. Mourir? Non. Ok. Je vais faire autre chose. Oh, il est perve quand même. Il est très perve. Alors, en plus, si je fais pas attention, ça va pas du tout aider. Ça, c'est clair. Ah que oui. Vous avez vu ça comme je suis tenace. Bah oui, j'aurais pu m'arrêter, hein, on a nos 5 minutes de stream légal, mais le jeu est intéressant du coup. Parce que bah mais il est pas facile. Et forcément vous me connaissez, si c'est pas facile, ça m'intéresse. Voilà, les tirs croisés, laisse tomber. Faut pas hésiter à déborder bien sur l'extérieur de ce qui est affiché pour bien choper des bonus que monsieur va nous planquer par là-bas. Ce qui est pas forcément sympa. Ah quand même, ça crève ça. J'aurais dû bomber. On rembobine. Non, pas le paf par derrière, ça se fait pas, les gars. On va se voir le boss, quand même. Comment ça, je suis gourmand? Oui, totalement. Je suis curieux, je veux savoir ce qu'il y a après. S'ils font des efforts pour changer les boss. Je me barre courageusement, comme on dit dans le métier.
Comment ça, il a sa fierté? Pas du tout. Je crois que je vais y aller à la bombasse directe sur les trois trucs là. Ce sera fait. Ce sera débarrassé. Purée. Alors, il y a un reproche à faire, et c'est le seul que je lui ferai à ce jeu. Parce que sur le reste, c'est pas critiquable, c'est honnête le boulot qui a été fait. C'est la hitbox du vaisseau qui est monstrueusement grosse, quoi. Et c'est la cause de tous mes malheurs, je crois. Des séquences comme ça avec plusieurs trucs, c'est quand même assez tendu du string, on va utiliser la bonne expression. On verra pas plus loin les amis, ce sera à vous de le découvrir. Ce Truckstone est validé, et oui. Alors il ira pas dans les top shmup, parce qu'il a quand même des petits défauts qui sont relativement évidents, et peut-être qu'il en porte d'autres, on va savoir. Ceci dit, le jeu est quand même super jouable pour un titre de 88, et il a traversé les années, bah, avec sa difficulté, certes, mais avec ses qualités aussi. Regardez-moi ça, si c'est pas choupi. Il va falloir que je balance à la poubelle cette expression choupi, je vais en mourir un jour. Je vous laisse avec les deux streams habituels. Ils sont beaux, regardez. Il y a celui de la playlist généraliste que vous commencez à bien connaître, et celui de la playlist des shmups, qui est pas moins fantastique. Et je vous recommande de vous abonner. Je viendrai demain à 19h pour vérifier. Vous avez rendez-vous avec moi. Eh oui, pensez-y. Ciao.